40 tonnes de fruits et légumes à prix coûtant. Les agriculteurs du sud-ouest de la France sont à Paris aujourd'hui. Ils vendent leurs produits frais sur la place de la Bastille, de la main à la main, sans intermédiaire. C'est ce que les producteurs appellent une opération de séduction-contestation. Objectif, attirer l'attention des consommateurs et de l'État sur l'effondrement des prix. Il reste au gouvernement de prendre ses responsabilités, de mettre en place un encadrement des marges dans la grande distribution, mettre en place un calendrier d'importation pour ne pas importer quand nous on produit, et voire mettre en place une taxe sociale à l'importation pour rééquilibrer les prix des produits importés avec nos produits. Les professionnels des fruits et légumes multiplient les actions coup de poing. Des camions espagnols ont récemment été bloqués près de la frontière française. La marchandise qu'ils transportaient avait été déversée sur le bitume. Les syndicats seront reçus demain au ministère de l'Agriculture. Les producteurs demandent un plan de sauvetage et des aides financières d'au moins 50 millions d'euros.